Ok, tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Auteur, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Et comme vous pouvez le voir, j'ai le skin Assassin's Creed, donc je crois pour l'avoir il faut avoir Valhalla ou un jeu comme ça, un jeu d'Assassin's Creed que moi j'ai, que je ferai sûrement une série plus tard, mais j'ai encore plein de séries à faire, et surtout que j'ai eu du coup il y a 2 semaines je crois, l'écran bleu, du coup j'ai dû tout réinstaller les jeux et tout ça, donc je suis toujours en train de réinstaller parce que j'ai la flemme de laisser mon PC tourner, parce que j'ai peur que bah, ça recontinue et du coup bah après mon PC il tourne dans le vide ou voilà, donc même si ça sert à rien au final, autant que je le fasse, mais bon. Du coup, aussi, bientôt, c'est la fin du pass, c'est dans, tac, 19 mars, on est le 12, donc dans 6-7 jours, donc va falloir que j'essaye d'avoir les bonhommes, les trucs, peut-être pas les masques, je m'en fous un peu, je veux juste en obtenir quelques-uns qui me plaît, mais ça aussi, ça, je m'en fous, si je peux juste avoir, lui, il est moche, en Spider-Man comme ça, je trouve. Si je peux avoir au moins en blanc le Spider-Man, ça peut être pas mal. Farm vidéo, je pense, du coup ce week-end. Arc, du coup aussi, je refasse la config du serveur. Ça va être un peu chiant. Mais bon. Hop. Donc je sais. Ok, donc on est en game. Je sais même pas où spawn. On va spawn là-bas, vers Tilted. Et je crois que depuis le temps, je crois que ça fait 2 semaines que j'ai pas retouché au jeu. Une semaine. Il y a ça par exemple qui est nouveau, je crois. Ouais. Ok, on va aller voir déjà. C'est quoi ça? Ah ouais, mon PC il bug, hein. Mais bon. Allez, oh putain, c'est de la pâte à modeler. Ok. En termes de ping, je suis plutôt bien. En termes d'FPS, je suis à 110. Ouais, je tourne comme avant. Et en termes de graphisme, ce qui est bien, c'est que sur Fortnite, du coup, tous les jeux Epic Games, j'ai dû les réinstaller, mais j'ai pas perdu la config. Sachant que, il me semble que. Ah oui, non, j'ai supprimé tous mes jeux Epic Games, sauf Fortnite, que j'ai gardé, je crois, et que j'ai réinstallé par-dessus ou un truc comme ça. Donc ouais, j'ai toujours ma config, donc ça c'est cool. Et puis par contre sur mes jeux Steam, j'ai pu en fait même pas besoin de tout désinstaller pour tout refaire mes fichiers bien. Merde, j'ai fait ça. J'ai directement comme si c'était une mise à jour. Donc ça c'est bien sur Steam, ce petit truc. Sur Epic Games, j'ai dû du coup supprimer pour pas avoir des fichiers en double, même si sur Fortnite je crois que j'ai des fichiers en double. Et c'est pour ça que. Peut-être pour ça que pendant 2 jours j'ai essayé une journée, ça n'a pas marché pendant 10 minutes mon jeu. Après, j'ai refait l'autre soir et puis ça n'a pas marché. Là, je me suis dit, on va faire une petite vérification des fichiers, et c'est peut-être pour ça que maintenant ça remarche, donc tant mieux. Waouh, j'ai repris mon niveau. On va prendre ça. En plus, la qualité. Alors, soit j'ai. Bah, je crois que. J'ai fait un truc, hein. J'ai pas pris. Enfin, ouais, les qualités graphisme. Ça, par contre, j'ai dû refaire moi-même. Donc, j'ai dû peut-être mettre en. Dans une meilleure qualité quand même. Mais bon, tant mieux. Hein. En plus, je tourne toujours avec les mêmes. Ouais, FPS, je suis à 90, 100. Avant, je tournais à 120 tout le temps, mais bon.
de prendre l'âge mon PC. C'est pas si mal hein, non plus. 112 avec une qualité élevée et moyenne pour certains trucs. C'est pas dégueu. Après, bien sûr, il y a des gens qui ont. Il y en a qui sont full épique, enfin cinématique, épique, ça dépend comment ça s'appelle suivant les jeux, et qu'ils tournent en 200 par exemple. J'abuse, hein, mais voilà. Mais bon, chacun son PC, il y en a qui ont beaucoup plus de moyens que d'autres. Ok, je suis mort. Bon, je vais relancer une game. Oh, ok, du coup, voilà, j'ai spawn. J'ai oublié son nom. J'ai spawn à Sanctuaire, voilà. Donc, j'ai très très hâte. Hein. Ça veut dire que nouvelle mise à jour, enfin, nouvelle saison dit beaucoup de vidéos à faire, beaucoup de découvertes, sachant que ce jeu est super. Donc, bon. Oh non, sérieux. Ok. Mais les fins de saison comme ça, quand je sais que j'ai pas trop tryhard le jeu, j'aime pas. C'est genre, je crois que c'est l'une des premières fois que je tryhard pas une saison. Même si celle d'avant, je tryhardais pas vraiment. Même pas, même. Mais là, c'est encore pire. Il vaut 100, je sais pas combien. C'est pas fou. Sachant que, en début de saison, hein, je vais pas le cacher, et il y avait des glitches d'XP hein, que j'ai pu gagner peut-être 5 niveaux en plus, gratos comme ça. Donc bon, j'espère qu'il y en aura encore l'autre saison pour monter plus vite. Ok. Alors je sais pas pourquoi, mais le skin que j'ai... du coup, Assassin's Creed, je sens vraiment que soit c'est des joueurs PC qui le mettent, ou soit, oh, ça va rien dire, hein, mais, ou sinon, des joueurs PS4. Je vois bien des joueurs PS4 avec un gameplay PS4 avec ce skin. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Ou un gros joueur PC. Mais bon. On va tirer n'importe comment. Et merde. Ok. Un joueur est passé là. On va peut-être passer par là. Non. Ok, ici. Ouh là 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 là. Très, très bon loot. Hein. En plus, j'ai un pompe lourd. J'ai pas trop envie de rush. Sur un terme de construire, je suis très très mal. Alors, une question aussi pour ceux qui peut-être qui connaissent, est-ce que chaque du coup. Semaine, il y a des défis. Est-ce que au bout de l'autre semaine, bah l'autre semaine avant, elle est supprimée, les quêtes. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais voilà. Ça, si c'est comme ça, c'est vraiment mieux. Parce que avant, on avait du coup un système, bah, les niveaux, c'était pas comme c'était pas en corrélation avec du coup le palier. Maintenant oui, depuis quelques saisons maintenant, beaucoup même, mais du coup je sais pas si chaque semaine du coup enfin, je vais regarder peut-être c'est marqué. On va faire ça,
Alors les quêtes. Donc les semaines de l'assaut, donc ça c'est des quêtes pour gagner un peu d'XP, ok. Les quêtes d'étape. Ça doit être tout le long du pass de combat. Pas du chapitre du coup. Ça c'est les quêtes de pour ce skin. Pour débloquer des masques. C'est pour que j'ai ça de la fondation et après la saison semaine 2. Ah ok, non c'est bon. Ah ça va, c'est bon. Donc je peux faire des quêtes. Ok, ça passe, ça passe. Oh, une tornade. Alors lui, si je le tue, ok c'est bon, je me mets bien. Oh il est devenu nul le second. Ils l'ont nerf. Ouais ils l'ont nerf. Ouais ils l'ont nerf. Ah putain. Avant il tapait bien et tout. Oh sérieux. Epic Games. Je vais jouer pistolet mitrailleur, hein. Sérieux, c'est la première fois que je fais ça, à chaque fois, même au début du jeu. Vraiment au début. On jouait tous le pompe, tout le temps. Et les PM, bon, personnellement, moi j'utilisais plus depuis la saison 7-6 du premier du chapitre 1. J'utilisais pratiquement jamais la PM vu que je jouais soit snipe ou soit juste du soin, voilà. Mais alors là les pompes sur cette saison sont éclatées. Prochaine saison bien sûr il va y avoir le pass, enfin le space du coup, vu que là il n'y a pas le space. Donc prochaine saison il y a le space. C'est par exemple avant je crois que c'était pompe tactique, après c'est space, après c'est une sorte de remake du pompe tactique quoi. Donc bon. On va tuer un peu la faune, on va faire des quêtes quoi. Pourquoi rush pour gagner 3 points d'XP en tuant la personne, ça sert à rien. On va faire les quêtes, on va tuer, on va faire voilà. Du coup, là par exemple il y a un corbeau. Voilà, réussir des tirs dans la tête. Faudrait peut-être que je fasse une vidéo pêche, mais bon, à la fin de la saison, voilà quoi. Sachant qu'il y a des poissons à pêcher pour débloquer bah, tout le pass, hein. Enfin tous les masques du pass. Ok, il n'y a rien d'affolant, mais on y va quand même. Ok, on a ça, pourquoi pas, on peut se le graille. Peut-être faire, non, une quête, non. Ok. Des lucioles. Après, on brûle des choses ennemies et tout ça. Ça, c'est souvent des quêtes. Peut-être ça va être une quête. Eh merde. Ok. Donc lui, il gère le pompe. Hein. Vous allez vous dire ouais
pourquoi je vis pas là, mais hop. Faut que je me shield d'abord. Voilà. Et il a joué quand même pompe. Ah non, il a ok, c'est bon. Il a joué ce pompe. Donc, avant, ce pompe était vraiment éclaté, hein, franchement. Mais là, je crois qu'il est meilleur que pompe lourd. C'est marrant parce que c'était l'inverse il y a quelques semaines. Ok. Oh la poule. Hop là. Donc voilà, faut faire attention quand vous. Vous êtes en Spider-Man. Ceci, on vous touche. Vous tombez. Tout simplement. Oh merde, j'ai raté. Ok, je l'ai fait peur. Mais qu'est-ce qu'il a lui, a toujours rush, c'est un truc de dingue. Il m'a rush alors que voilà, mais putain, mais c'est un zinzin. Ah non, c'était lui qui m'a rush, ok, pardon. Parce que l'autre, je sais pas, il avait plus de PV, j'ai cru que c'était lui. Encore rush. Ah ouais, tu te lootes. Alors que c'est mon loot. Ah, oh, GG à lui. Il a géré. En vrai, il est bon. Il est très très bon. Il avait plus que 47 HP. Oh non, sérieux. Mais bon, donc on va déjà se laisser là, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, à toute heure, n'oubliez pas que je vous kiffe, allez, ciao.